Présenter un nouveau concept. J'ai pas mal de choses à faire sur la mémère qui est derrière moi là. Là, on va s'occuper de la ligne d'échappement parce que j'ai un bruit qui est assez chiant à entendre quand je suis à l'arrêt. Donc je vais vous montrer un exemple de ce que c'est le bruit. On entend comme des petits claquements. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Si vous avez vu les vlogs précédents que j'ai pu faire, on entend un claquement et c'est vraiment casse-couille. Donc on va démonter toute la ligne d'échappement, c'est la toute première fois que je vais le faire. Donc si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Ah, je sais pas si vous pouvez entendre le petit claquement qu'il y a quand j'accélère un petit peu. Si vous avez des petits conseils, quoi que ce soit, à propos de ça, si vous avez déjà eu le coup là, c'est bien de le faire partager dans les commentaires. Et si ça vous a vraiment plu, ce nouveau concept que j'ai, vous mettez un gros pouce bleu et vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est mon problème, pour ceux qui ne savent pas trop? Donc c'est entre le moteur et le pot d'échappement, l'entrée de l'échappement. Vous avez des joints et vous avez, moi c'est un 4 cylindres. Donc vous avez 4 tubes, les 4 tubes d'échappement, et vous avez 2 écrous à chaque tube en fait. Et là, il se cache un joint. Et pour moi, on me l'a déjà dit pas mal de fois, que c'est à force qu'il y a un joint qui est usé, ça vibre tellement que à longue et à mesure, en fait, et ben, le joint, il vibre, il s'use, et ça émet des vibrations, et ça fait des petits claquements, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo que je vous ai mis pour faire entendre le petit claquement. Donc, il se situe ici, le claquement. Si vous allez bien voir ici, là on voit mal. Donc là vous avez le tube, donc juste entre le cylindre et l'entrée de l'échappement. Donc on va enlever tout ça, toute la ligne d'échappement. Donc avant, il faudra enlever le sabot avec des clés à étoiles, je sais plus comment ça s'appelle. On va enlever le sabot en premier et après on va s'occuper de toute la ligne d'échappement. Il y a un boulon ici et ici. Ici, on va enlever ici, c'est fait maison, parce que cette cartouche, je sais pas comment on appelle trop ça, la cartouche ou le bout du pot d'échappement vient de chez AliExpress. Je l'ai pas acheté tellement cher. On m'a dit que tu vas voir, en faisant des kilomètres, ça va fondre. Et ben, il ne bouge pas du tout, pas du tout. C'est nickel. Donc, on va s'occuper d'enlever ça, le boulon ici, et on va voir qu'est-ce qui se cache en dessous du sabot. Et on va démonter tous les petits boulons, enlever toute la ligne d'échappement, et on va avoir accès aux joints. Allez, c'est parti. C'est parti ou pas? Go! Allez, let's go! Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever cette putain de casquette. Hop, ça dégage. Et vous allez aller sur ma tête. Allez, hop, c'est parti. Foutu en plus. Allez, c'est parti pour le démontage de cette ligne d'échappement de merde. Allez, on va le faire. Virer toutes les vis sur les sabots si vous avez un sabot. Bien évidemment, vous faites ça l'autre côté, que sinon vous aurez du mal, hein, bien sûr. Et pas les perdre, les petites vis. Surtout pas les perdre.
Bon, il y a un peu de poussière, mais c'est pas grave. Allez, on va faire l'autre côté. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est une clé Allen. Une clé Allen, c'est comme ça. Autrement, ben, tu peux pas démonter autrement si t'as pas ce truc-là. Et aussi, j'ai une petite astuce pour enlever le sabot quand vous êtes tout seul. Si vous voulez pas trop l'abîmer, c'est très simple, vous dévissez les deux de devant, vous en laissez une de devant, bien évidemment, et ceux de derrière, vous les desserrez jusqu'à bout sans vous les enlever. Ici, vous enlevez votre écrou de l'autre côté, vous en laissez un, vous l'enlevez là, hop, vous le laissez tomber tranquillement. Hop, et après, il ne reste plus qu'à dévisser le reste. Tout en le maintenant. Bon, moi, il est déjà abîmé, j'en ai rien à foutre. Mais ceux qui sont très très maniaques, ça vous servira de petit conseil. C'est un conseil de merde, mais. Avoir le sabot tranquillement. Bon, il est un peu abîmé à cause des cailloux, hein. Si j'ai le temps, j'irai en carrosserie le refaire. Allez, on passe aux choses sérieuses, à la ligne d'échappement. Besoin de clé Allen, on le remet dans son petit truc pour pas perdre. Il y en a déjà de perdu, mais bon. Et on passe à la ligne d'échappement. C'est parti. Allez. Passons au démontage. C'est parti. Hop. Donc là, j'ai pas le choix. Faut que je prends une clé par derrière. Si vous voyez. J'ai un grand écrou. Donc faut que je desserre tout ça en bloquant l'autre et ça le fait. Hop, on met ça derrière et on dévisse. Allez, on va jeter celui-là. Par contre, il veut pas. Ah, ça sort. Oh le bordel. Yeah. Voilà. Ouais, il commence à bouger. Allez, maintenant on va s'occuper d'en bas. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien. L'écrou ici maintenant, faut enlever celui-là. J'avais pas vu aussi, il y a une sonde au plein milieu, donc faut mieux l'enlever. La sonde est ici. Bon, faut l'enlever. Allez. On va taper. Il veut pas venir. Ah voilà, on l'a eu. Ça au moins c'est cool. La putain de sonde. Je sais vraiment pas à quoi sert la sonde. Si vous savez, laissez-moi dans les commentaires pour savoir à quoi elle sert cette sonde. Ouais, bizarre. C'est fait comme ça. Si vous voyez, il y a des petits trous dedans. Ça doit être un capteur. Capteur de je sais pas quoi. Si vous savez ça, laissez-moi dans les commentaires. Je suis très curieux. Parti. Klaxon qui fait chier, toi. Comment c'est foutu là-dedans? Waouh! Ah, on a réussi à en avoir un. Allez, hop, c'est parti. En voilà un. Le tout premier. Surtout, faut pas que je les perde. Oh putain enculé. Voilà, on est au dernier. Ah.
On a démonté tous les écrous de l'échauffement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple, on va dévisser celui-là. Et normalement, ça devrait être bon. C'est en 12, ouais, pick up. Waouh, tout va se casser la gueule. Et bien sûr, il faut une 12. Alors, une 12. Une clé de 12. Allez, on y est presque. Ça, par contre, on va essayer de remettre à leur place. Waouh. On fait attention au radiateur. Ça y est, j'ai réussi à enlever le putain de bille d'échappement. J'ai un peu galéré, mais c'est la toute première fois. J'ai réussi, je suis très content. Super. Le souci du claquement, ça venait d'ici. On dirait que le bout, il est cassé, donc je sais pas comment est-ce qu'on va faire. J'espère que je vais pas le changer entièrement, ça ferait bien chier. Si le nouveau concept, ça vous a plu, laissez un petit like, dites-moi dans les commentaires. Et comme ça, je referai une autre vidéo sur un peu de la mécanique. J'ai une vidange à faire, donc si vous voulez que je partage ma vidange avec vous, il n'y a pas de souci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus et à la prochaine. Attention au radiateur. Et on y est. Oh là 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 là, la toute première fois.